Yo, de retour en direct, 18h36, on est ensemble jusqu'à 20h, il nous reste une petite heure et quelques vingtaines de minutes, on va lancer directement une game, nous en sommes à Riven après défaite avec Rammus, victoire avec Renekton, défaite avec Rengar. On s'était dit, hein, une fois qu'on allait commencer à monter vers, approcher le diamant 1, logiquement le ratio allait totalement baisser. En tout cas, Rengar ça a failli passer, Rammus aussi, c'était pas une mauvaise game avec Rammus, ça s'est joué sur un teamfight en late game, donc tant que la qualité des games est sympa, c'est cool. Rengar c'était une free win qu'on a donnée, ça arrive. Comme ça arrivera qu'on nous donnera des free win aussi. On va passer sur Riven maintenant. Riven top, Riven mid. On en voit beaucoup des Riven en ce moment. Depuis entre guillemets sa refonte. Regardez, on en voit rien que deux là dans les parties à spectate. Donc elle a la possibilité de jumper après à travers les murs. Je sais plus ce qui a été modifié, n'hésitez pas à me le dire sur l'IRC. Je vois un petit peu ce qui est sur l'IRC, j'ai répondu à des queries. Alors vous avez une compétition le 7 septembre par là. On a la DreamHack Bucarest le 15, mais pour l'instant on est un peu dans le flou vu qu'on est que 4 dans l'équipe. Donc à voir comment ça va se dérouler. Je suis passé Silver 5 après mes parties de classement, mais maintenant je perds beaucoup de parties. Je joue TF et Syndra Z. Je les gère bien et je gagne ma lane souvent, mais ça ne fait rien. Bon, pourtant, Lissandra Z, c'est des champions qui peuvent totalement carry une game. TF, c'est un peu plus compliqué parce que t'as besoin de tes mates. Mais Z, si tu prends des bonnes décisions tout seul et si tes mates ne vont pas se suicider comme on l'a vu là, c'est un peu le même principe que Rengar. Et que t'arrives à te mettre en speed push une fois que t'as acquis un certain nombre de stuff. Logiquement, t'as la capacité de faire la différence. Le problème, c'est que, encore une fois, t'es dépendant que tes mates ne vont pas se faire catch ou ne forcent pas des teamfights en 4v5 inutiles. Et Lissandra, c'est le contraire. Lissandra, une fois que t'es mis dans ta game, tu peux décaler avec ton CC et en teamfight, prendre les initiatives, prendre les engages, t'as de quoi temporiser. Donc au contraire, avec Lissandra, une fois que t'es bien, tu demandes des regroupements dragons, tu demandes des regroupements pour prendre des tours et tu engages, tu balls. Avec ton ulti, ton Zhonya, tu peux totalement temporiser. Donc faut pas uniquement se focus sur la lane, surtout ce qui se passe après. Regarde, comme là, moi j'ai gagné ma lane. Malheureusement, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai pas eu le temps de faire la différence vu qu'en face, ils avaient trop donné d'avantages à mes adversaires. Donc, faut vraiment se focaliser sur l'après lane une fois que t'as fait la différence sur ta lane. Joue Tristana AP s'il te plaît, pourquoi pas? Ça se joue totalement Tristana AP au mid. Ça défonce énormément de carry AP comme Lux, comme Ahri ou des choses comme ça, des choses qui peuvent être one shot. Je pourrais juste, quels sont selon toi les trois champions au top qui sont excellents? En ce moment, ce qu'on voit le plus, c'est Zac Shen en team, c'est Zac Shen. Après, est-ce qu'il peut y avoir de correct? Il y a toujours Elise qui est bien, il y a Renekton qui est toujours correct, il y a Aatrox qui est très très fort. Après, tout dépend du style du champion. On peut partir sur des AP, il y a Lissandra qui est très très bien, t'as Ryze qui est toujours aussi fort qu'avant. Il y a Irelia et Jax qui sont en train de revenir en forme. Donc y a de quoi faire hein, maintenant sur la top lane. Le problème c'est les swap lane aussi. Mais en ladder c'est assez rare. Comment jouerais-tu un Renekton face à un Azu très agressif? Très très agressif, tu le laisses pas stack, tu push, tu prends sa tour et tu décales au Drake. Quel est ton favori EU pour les Worlds? Moi oh, j'ai un petit pincement pour Fnatic, ça y a deux Français, il y a le Star que je connais très bien. Et Soaz qui a énormément d'expérience. Ouais, petit coup de cœur pour les Fnatic. En plus de ça, ils ont réussi à gagner les playoffs. Chose qui est pas simple à faire deux fois d'affilée. Donc vraiment, ils sont pas mal en forme en ce moment. J'espère qu'ils feront la meilleure performance EU déjà. Et si possible, gagner les Worlds, hein, nous ramener la coupe. Ryze ne défonce pas Renekton. Si Ryze est correct contre Renekton. Sinon, tu regrettes pas la disparition du cœur d'or? Non, pas particulièrement. Vous entraînez-vous tout de même à 4 avec la team Inium? C'est un peu compliqué de faire du 4v5, mais je proposerai l'idée, pourquoi pas.
Non, en tout cas, pour le moment, bah, on attend, on réfléchit à des éventualités. Hein. Comme je vous ai dit, on est devant un fait accompli et on doit réagir. Donc on réfléchit. Et puis, il faut savoir ce que Millennium est prêt à faire aussi pour aider à trouver une nouvelle personne. Donc, on verra. On essaie de trouver l'équilibre. Je voulais savoir quel est le héros que tu utilises le plus en SmartCast. Bah, j'utilise presque tous. Hein. Vraiment presque tous. Et le moins SmartCast, c'est Morgana parce que je l'ai joué en saison 1 où je jouais pas en SmartCast. Donc je joue aucun sort en SmartCast sur Morgana. Que penses-tu du niveau actuel de Darien? Moi je trouve qu'il est très très fort. Il était très très fort même avant. En fait, ce qui est dur à comprendre en team, c'est que parfois même si c'est pas, faut pas regarder les scores, faut regarder bah, la stratégie de l'équipe. Et avant la stratégie de l'équipe, je sais même plus, je suis à quel champion là, à Riven. Bah je Riven jungle. Ah. Ah oui, merde. Oh, sorry. C'est vrai que j'ai été assez idiot là. Pas concentré. My bad. Je vais reprendre les queries, je fais juste mes maîtrises. C'est moi, j'avais pas annoncé dans le chat. J'ai oublié. On est contre un Tryndamere. Ça va envoyer du pâté. Je vérifie mes runes. La CDR qui est plus importante que la vitesse d'attaque sur Riven. De l'armure, je peux prendre la régène HP. Tac. Ouais, ça me semble correct tout ça. Bon, on a le top. Ma team a bien réagi et a pris les initiatives qu'il fallait. Ce Dogba, Shyvana top ou bon ou pas? Oui, carrément. Moi, Shyvana top, j'ai voulu la tester. Je l'ai pas encore. Je suis pas encore penché dessus, mais pour moi, c'est totalement. Il y a vraiment un potentiel. Le problème, c'est que les swaplanes, elle les assumera pas. Le problème, c'est que bah, il y a certains match-up comme des AP, bah, qu'elle arrivera pas à tenir. Et il y a certains match-ups même physiques, comme par exemple Renekton, des choses comme ça, qui vont être très compliquées. Mais il y a d'autres match-ups contre lesquels elle est très très forte et contre lesquels le speed push peut vraiment se mettre en place. Tu pourras faire une sorte de tuto quand tu joueras Riven parce que j'aime bien, j'ai envie de la jouer, mais je ne sais pas comment. Bah, c'est compliqué, surtout à la Riven bah, de saison 3 à saison 2, je l'ai spammé, mais tellement, 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 tellement. Surtout au moment où on pouvait stack les couperets noirs. Je crois que j'ai abusé du champion. Mais maintenant c'est un peu plus compliqué, elle est un peu plus équilibrée. Ouais, c'est vrai qu'en stream parfois bah on regarde pas le chat hein. Bah, après j'aurais pu Riven support aussi, hein. C'est pas très grave, c'est les règles du marathon comme je vous l'ai expliqué, faut jouer le champion dans l'ordre. Mais ils ont bien réagi dans mon équipe et ils ont fait bah, les changements nécessaires. C'est cool. Le problème c'est que Riven support c'est pas super viable. Alors, j'ai appris vraiment pas mal de choses. J'ai donc une petite question pour Vayne. Faut-il viser le tir après roulade pour le troisième tir carreau d'argent ou pas? Ça peut, c'est mieux. Si tu arrives à mettre une auto-attaque, deux auto-attaques et après roulade troisième, c'est toujours mieux parce que t'as l'assurance de pouvoir poser ta troisième attaque. Mais après, tu peux aussi engager direct dès la première auto-attaque si t'es sûr de gagner le trade. Pas forcément obligé de garder ta roulade à chaque fois, c'est qu'une question de situation. Mais c'est clair que c'est mieux à chaque fois. Mais ça n'augmente pas les dégâts en rien, c'est juste que les dégâts de la roulade vont être accumulés aux dégâts du carreau d'argent. Ce qui fait que ça va faire un bon burst. Coucou en solo queue, je me retrouve top alors que c'est le rôle que je gère le moins. Vois-tu les conseils? Oui, bah carrément. Dans ce moment-là, trouve-toi un champion très safe. Par exemple, bah Renekton
Bah, quoique Renekton demande quand même une certaine connaissance. Je sais pas, un chaîne où tu joues très passif et tu le dis à ton équipe, tu dis j'ai pas l'habitude de jouer top. Donc j'ai joué très très défensif et voilà, et tu même si tu perds ta lane, tant que tu meurs pas et tant que tu arrives à farmer sous ta tour, même si tu perds ta tour, c'est pas très grave. Juste tu meurs pas, tu vises le farm et tu vises tes ultimates pour aider ton équipe. C'est le principal. Et essaye de limiter les fois où tu joues top. Demande les autres lanes. Après, quand t'es forcé, bah t'es forcé et fais le maximum. Mais joue un perso plutôt défensif. Et laisse tes mates, entre guillemets, te carry. Ouais, je sais pas si s'ils vont double mid. Bon, le problème c'est que j'ai pas trop d'expérience sur la nouvelle Riven. Je vais la jouer comme avant, un maxi de Q spell pour les dégâts. Et Riven, c'est toute une question de temporisation de ses spells et de ses auto-attaques avec, en profitant du passif qui est assez énorme. Faire très attention à ça. Tryndamere, c'est un match-up qui est assez équilibré. Parce que ça va être all-in des deux côtés. Je pense que lui aussi va start red pot. Ouais. Effectivement, il a start aussi red pot. On met l'agression. Tout va se jouer entre guillemets à celui qui va avoir son level 2 avant. Donc c'est pour ça que je push un petit peu. Il met cher, hein. Toujours problème de Tryndamere early niveau. Mais il a déjà pris sa red pot lui de son côté. Ouais, je suis obligé de flash. Non, il me tuera pas là. Donc il a eu son fameux niveau 2 avant. Après là, si j'ai mon niveau 2 plus le gank, j'ai toujours mon Unite moi de mon côté. Lui il ne l'a plus. Et il est très avancé sur la lane donc c'est le risque. Allez, le Firstblood qui est récupéré. Surtout très bon gank du Zac. Donc c'est toujours le risque hein, avec un Tryndamere, c'est que c'est très all-in. C'est pour ça que je l'ai joué tout aussi all-in moi ma Riven. Parce que je savais qu'on allait arriver à ce genre de situation là. Et là cette fois-ci c'est passé à mon avantage. Mais le Zac a été plus rapide que le Tillus. Et c'est ce qui vraiment a fait la différence. On va back. On va aller acheter de la Doran. Il a pas perdu son passif le Zac, ça c'est vraiment une bonne chose. Après voilà, il a mis ce fameux critique, hein. Tryndamere c'est ça, ça joue beaucoup sur les critiques, c'est pour ça que c'est très all-in. C'est qu'il prend sa red pot, il te rush, il se met un crit, t'es pas bien. Bah il a mis son fameux crit. Donc ça arrête. Moi j'ai pris ma red pot après lui, donc je vais attendre que la scène se termine. Et je l'agresserai. Oh shit. On va essayer de survivre. Mais là c'est pas dit que j'y parvienne. Ah quoique. Si, j'ai survécu. Oh shit. Si je me refais gank là je suis pas bien. Ils peuvent me dive. Faut qu'il vienne là le Zac, absolument. Avec mon shield, mon stun, j'ai moyen de tempo.
Ça c'était sûr. Hein. On tient bon, on tient bon. Donc très bon gang de la part du Nautilus, là le deuxième. Il est arrivé très très vite. Il n'y a plus de red pot sur Trindamer. Fuck! Ça arrive parfois, mais bon. Là on peut tellement le tuer. Il n'y a plus de red pot sur lui. Et lui il a que des boots. Moi j'ai une Doran. Bon, elle me donne un peu de vision, mais elle me donne pas la vision dans le bush, pas très grave. J'ai quand même la vision river. Putain, il met trop cher. Je dois encore une fois courir. Alors que Jindoran, quoi, il a pas de stuff. Il a juste des boots. S'il a up 6, je suis mort. Oh, il a up 6. J'aurais dû back. L'euro est trop fort, quoi. J'ai oublié de back et là, je perds beaucoup de farm. Il a pris vraiment la lane à son avantage. Avec son sustain, etc. Et là maintenant il va prendre l'écart en termes de farm. Comment ça va se passer maintenant? Je vais récupérer mon flash. J'ai mon niveau 6 aussi. Allez, Linette qui vient placer là. Allez, gros. Allez, nice. Ça, c'est nice. Ça, je viens de refaire la diff sur ce bon trade bien réalisé. On va reprendre le farm. Parce que là, lui aussi, repère beaucoup. Ce qui est top, nos problémos. Ouh, c'est chaud. En termes de farm, on a plus que 5 CS d'écart. Le problème, c'est que je pourrais toujours pas snowball. Hein. Il a beaucoup trop d'avantages, encore une fois, en termes de. D'agression. Même si lui, il a pas fait de Doran, ça peut me laisser peut-être un avantage. J'ai limite envie de maxer le shield quoi en deuxième. Il prend cher hein, là. C'est pas un très bon trade pour lui. S'il est obligé de claquer ses stacks. Fuck, il a mieux géré ce trade. Je
Je m'attendais pas qu'il ait déjà son ultimate. Il me faut des boots. On se rend coup pour coup là. Mais le problème c'est quoi? C'est que Riven ça joue beaucoup sur le burst et que Tryndamere peut tempo avec son ultimate. J'aurais dû juste plus la jouer un peu plus petit à petit plutôt que mettre un gros burst là direct. Donc là il reprend l'avantage. Mais son ulti a aussi un plus court CD que le mien quoi. C'est assez relou. C'est vrai que Riven, moi c'est depuis qu'ils ont augmenté. Depuis qu'ils ont augmenté le CD de l'ulti de Riven que je trouve qu'elle est moins viable. Je peux totalement freeze la lane là. Non, je peux pas. Ouais, c'est très très fort Tryndamere. Bah, je préférerais avoir son matchup que le mien. Je préférerais avoir Tryndamere dans les mains que Riven là actuellement. Après, je peux essayer de me rattraper en essayant de viser la tour, mais bon, il me laissera pas. Hein. Là, lui a déjà récupéré son ulti. En fait, toujours sur ça. C'est que nos CD d'ulti sont pas du tout identiques. Moi je trouve qu'ils ont tué Riven en augmentant. Je crois qu'ils ont mis un moment 15-20 secondes, voire même 30 à un moment. Et c'était ça, la vraie nerf de Riven, elle était là quoi. Avant, t'avais l'ultimate, tu mettais une agression, tu spammais. Là, lui a juste à rester full stack et gagnera logiquement les trades. Ah, il a défoncé ma tour. L'ultimate. Ouais. Il va s'attaquer directement à T2 hein. Faire des tabis ninja histoire de prendre déjà un peu moins cher. On va retourner sur la lane. Essayer de farmer mais c'est ça hein. Là il a pris deux tours d'un coup. Donc là ça met un gros gros avantage à l'équipe adverse. Surtout que c'est... Ils ont aussi l'avantage en bot lane là. Ça a l'air fort Cassiopeia support. J'avais joué une fois Cassiopeia support. J'avais eu un random pick à l'époque. Et c'est vrai que c'était quand même assez fort. Allez le push. Là j'espère juste que Tryndamere va roam mais je pense pas. Il a aucun avantage à faire ça. Donc c'est même moi qui vais commencer à bouger. Est-ce qu'il y a moyen d'aller bot lane? Oula, il a un red buff. On va pas jouer avec lui. On va voir les dégâts. Pas mal. C'est lui piquer sa tour au top. Il reste les bot lane. Est-ce qu'on pourra tenir? Je sais pas, ils peuvent très bien se faire engager la tour en plus c'est low.
Je crois que Damer était à un moment l'un des héros qui avait le meilleur ratio victoire en ranked diamant 1 ou challenger ou quelque chose comme ça. C'est juste extrêmement fort en fait. Normalement, t'as même pas besoin de faire ce qu'il fait la décalée. Tu dois juste jouer ta lane. Split push en constant. Et free farm, et après, bah, arriver en late, ça va être une Damer quoi. Une fois l'ultimate, hein. Oula. Nope. Problème, c'est que je dois aussi prendre. Quoique. Il n'y a que le gîte Cassiopeia et Nautilus en tant que CC. Je vais juste attendre pour prendre des dégâts supplémentaires. On va faire un petit brutaliseur. Si j'arrive à attraper la Caitlyn, je pourrais l'OS. Ah, il y a le cheat Zilean aussi à prendre en considération. Non, c'était pas à l'époque du Trinda AP, c'était après. C'était il y a pas longtemps, mais je crois qu'il l'est toujours hein, si on regarde sur LoL King les résultats. Tout cas, il est considéré comme le meilleur entre guillemets top lane en ladder solo queue comme champion. Je sais plus, je crois que c'est Yuneros qui fait que jouer ça, il a genre 1000 games avec Tryndamere. Essayez, hein, essayez de le spammer, vous allez voir. Après c'est très all-in, hein, c'est ça aussi le problème de Tryndamere, c'est que ça peut passer comme ça peut bah, ne pas passer. Whoop. Ça lag un petit peu. Non, ça va. C'est passé. Non, j'ai une impression de lag. Allez, on va back maintenant. Finir les boots. Pourquoi tu fais ces boots? Tranquillement. Complètement sourd en plus, hein. Ouais, ça va Hein? l'homme? Bonjour. Bonjour. C'est Papy Bronze. Cool. Pourquoi tu fais ces boots? Je sais pas, tu veux jouer? Hein? Tu veux prendre mon heure de stream? Quoi? Tu veux prendre mon heure de stream là? Hein? J'ai Bon, pas ouais. pu. Tu veux que Suis je de là, reprenne c'est. à jouer? Comment jouer? Vas-y, barre-toi, je te montre. Mais tu prends Vas-y. l'heure entière, hein? Hein? Soit tu prends l'heure, soit tu prends rien. 2 secondes, je vais installer un boîtier, je reviens. Allez. Va nous montrer ses talents avec Riven. Comment ça se passe là? Le Zilean. Un petit peu feed aussi. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont tous bien dans la game. Donc on peut pas se focaliser uniquement sur le Tryndamere à lui mettre des. Ah, on n'a pas d'exos en plus. Ok. Ouais, je me demande un truc. Ouais. Tout le monde lag en fait. Je suis pas fou. C'est le comeback des serveurs lag. Non, t'as l'air fâché. C'est un petit peu isolé. Ça va les. L'invincibilité du champion. Allez, mets ton filet. Oula. Tu t'es un peu loupé, je crois. Ouais, il se fait défoncer par un Cassiopeia support, il est sérieux? C'est quoi leur problème à eux là? Elle l'a trouvé où ce stuff la Cassiopeia? C'est vraiment un support ça? C'est pas un support, c'est un kayapé ce truc.
Il y a du stuff de la casse-pied, je crois qu'elle a même plus de stuff que moi. En tout cas, elle a totalement des pop. Hein. Ouais, ça lag un peu, je vais pas vous mentir. C'est très léger, c'est quand vous appuyez sur le spell, il part genre une demi-seconde après, mais ça lag. En tout cas, pour l'instant, bah, la game n'est pas terminée, c'est juste qu'ils ont énormément. Regardez, ça le dit exactement au même moment que moi. La Cassiopeia fait peur, le Zilean fait peur, le Tryndamere fait peur. La Caitlyn qui a un stuff correct. Ouais, ils peuvent faire baron rapidement. Nautilus, on l'a pas trop vu dans la game, mais ça reste un Nautilus quoi. Énormément de CC. Après, nous aussi, on a pas mal de CC, donc contre un Tryndamere, c'est pas si mal. Oh, ils ont fait le baron déjà. Ah, toi, tu te retrouves dans une mauvaise position maintenant. Tempo comme tu peux. T'aurais dû flash vers là. Je crois que. Ça va les ultis de Zilean et tout. Il va revenir. Il va revenir full ville type. Je dirais que je galère à le tuer une fois. Par contre lui je galère un peu moins. Tu m'as saoulé. Oh my god. Bouge, j'ai une bombe sur la bouche là. Ah, je suis mort. Tiens, bah meurs avec moi. Viens prendre la bombe aussi. Ah, j'arrive quand même à avoir un score neutre. Et un farm correct sans plus, mais un farm correct. Bon, ça reste très compliqué là. Ils vont prendre l'inhibiteur. Ou peut-être pas. Ils ont double buff sur Caitlyn. Ça va être dur à tomber. C'est ce baron hein, qui nous pose problème sur ce teamfight là. Qu'est-ce qui a fait un peu d'HP. Ah, ils ont pas tort, hein. J'ai pris Riven contre Tryndamere, mais bon. Ils connaissent pas la vraie raison. Et c'est ça qui est bien, c'est que des fois on n'a pas les match-ups à notre avantage, on voit un petit peu comment ça se passe. Ouais, c'est chaud. J'aurais pas dû y aller. C'est pas de faire tes plays. Oh! D'accord, ok. Je crois que tu m'as mis 500. Ouais. Ah, quadra kill. Non. J'ai joué avec le feu. J'ai tenté de me fight contre la Cassiopeia. Aou. Je crois que c'est le seul adversaire que je peux défoncer. Elle a bien géré l'ultimate, elle s'est bien positionnée. Oh, elle va être dégoûtée, elle doit être dégoûtée là. Ouah, tu crois que tu t'es ulti. Oh, ils ont sur N. Oh bah GG à eux.
En tout cas, on a vu la petite early game compliquée, un match-up favorable à Tryndamere. On a quand même pris un first blood à un moment. D'ailleurs, on n'a pas eu la capacité de snowball parce que beaucoup de farms avaient été échangées avec le Zac. Et après, derrière, bah, le match-up, hein, il revient, il reprend la position de la lane. Je crois qu'on fait un mauvais trade. Il reprend un kill. D'ailleurs, je refais un bon trade, je reprends un kill. Ah non, non, je suis back. Après, je reviens, je reprends un kill, je suis à 2-0. Mais j'ai perdu beaucoup de farms. Et après je reprends un mauvais trade et je suis à 2-1 et là ça devient très compliqué parce que Tryndamere il acquiert du niveau et du stuff donc le matchup qui est vraiment à son avantage après. Donc c'était assez serré sur la lane mais après bon, ils ont quand même bien géré leur avantage sous Tryndamere. En tout cas j'ai hâte qu'on y soit moi au Tryndamere. Histoire de vous montrer un petit peu bah, comment il a pu faire. Après j'espère qu'on aura un matchup tout aussi favorable qu'il a eu actuellement. On a le temps pour Rumble, parfait. On a pile poil le temps pour Rumble. Je vais vite mettre une courte page de pub. On se retrouve pour une game supplémentaire. À tout de suite.